Cinquième arrestation dans la tragédie du camion charnier en Autriche. La police a interpellé la nuit dernière un nouveau suspect, un Bulgare, après la récente découverte de 71 cadavres de migrants dans un poids lourd abandonné sur une autoroute. Hier, la justice hongroise a décidé de maintenir en détention les quatre premiers suspects, trois Bulgares et un Afghan, au moins jusqu'au 29 septembre en raison de la nature exceptionnelle du crime dont ils sont accusés. Par ailleurs, la police autrichienne a estimé qu'un nouveau drame avait été évité de justesse avec l'interception hier d'un autre camion transportant 26 migrants. Son porte-parole explique que trois enfants souffrent de déshydratation sévère et leur état est qualifié d'extrêmement mauvais. Deux d'entre eux ont un an et le troisième est âgé de 5 ans. Nous avons informé la Croix-Rouge. Pour l'Autriche et la Hongrie, il s'agit d'un gang de trafic d'êtres humains organisé comme un commerce terrible. Le pape François a dénoncé ce dimanche des crimes qui offensent l'humanité entière et le souverain pontife a demandé une coopération efficace.